Bonjour et bienvenue sur le tuto abo du théâtre Firmin Gémier La Piscine pour cette nouvelle saison 2021. En plus de ce tuto, nous vous avons également préparé une notice écrite qui vous récapitule les différentes étapes et que vous pourrez laisser ouverte pour vous guider tout au long de votre aventure sur notre site. Avant de démarrer sur les aspects techniques, toute l'équipe du théâtre tenait à vous remercier chaleureusement pour vos messages et vos actes de soutien envers nous et envers les artistes. Nous avons décidé de continuer dans cet élan d'optimisme en vous proposant cette belle saison 2021 qui promet encore beaucoup d'émotions et de découvertes. Ainsi, nous ouvrons à la vente 100% des fauteuils de nos salles. Néanmoins, si la situation sanitaire l'exigeait, nous pourrions être amenés à réduire le nombre de spectateurs et, le cas échéant, nous appellerons les dernières personnes ayant réservé pour leur proposer un report ou un remboursement. En prévention de ces éventuels changements de jauge, exceptionnellement cette année, le placement sera libre dans tous nos lieux de représentation. Nous vous remercions pour votre compréhension et votre bienveillance et surtout pour votre confiance, alors merci d'être là. Allez, c'est parti pour le tuto avec la première étape, se préparer. Voilà, avant de commencer, on vous conseille vivement d'avoir préparé vos choix de spectacle sur papier libre au préalable. Pour permettre à tous de se connecter et avoir une meilleure gestion de la disponibilité des places, le temps est limité, donc 25 minutes pour choisir vos spectacles, plus 20 minutes pour entrer le nom des abonnés et payer. Le décompte vous sera indiqué en haut de la page tout au long de votre abonnement. Nous conseillons également de choisir les dernières versions de Google Chrome et Mozilla Firefox pour un fonctionnement optimal. Ensuite, on se présente. Si vous avez déjà renseigné une adresse mail au service billetterie, inscrivez-la et rentrez votre mot de passe. Si vous l'avez oublié ou si vous ne l'avez pas encore, cliquez sur « mot de passe oublié ». Un mail vous sera envoyé et vous pourrez suivre le lien qui vous proposera d'en créer un nouveau. Sinon, cliquez sur « s'inscrire ». Remplissez vos coordonnées si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas de cocher les newsletters et courriers si vous souhaitez recevoir nos programmes, actualités et offres tarifaires. Ensuite, sélectionnez vos formules. En fonction aussi des tarifs associés, si vous bénéficiez de réductions chez nous. Cette année, nouveauté, 4 formules souples. La formule découverte à partir de 3 spectacles, la formule classique à partir de 6, fidèle à partir de 9 ou passionnée à partir de 12 spectacles et plus. C'est également ici que vous pourrez choisir tous vos packs, pédiluve, pack chapiteau, pack thématique. Validez ensuite vos formules. On passe au choix des spectacles. Sur cette interface, plusieurs informations. En haut à gauche, un rappel du déroulé des étapes de l'abonnement. En haut à droite, les informations de connexion. Et en haut au centre, le temps que vous avez pour sélectionner vos spectacles. Choisissez vos spectacles pour chacune des formules s'il y en a plusieurs. Ils sont indiqués dans l'ordre alphabétique. Vous pouvez également taper les premières lettres du spectacle dans la barre de recherche juste au-dessus. La disponibilité des spectacles vous est indiquée sous forme de code couleur. Si le spectacle n'apparaît pas dans la liste, c'est qu'il n'y a plus de place disponible. Choisissez ensuite votre date s'il y en a plusieurs et ajoutez le spectacle uniquement pour vous ou également pour vos co-abonnés en cliquant sur « Ajouter à tous les abonnés ». Cette option est accessible pour tous les abonnés ayant choisi une formule identique, la formule découverte 3 spectacles par exemple. Si chaque abonné a une formule différente, il sera nécessaire de sélectionner à chaque formule sa liste de spectacles. Il est également possible d'ajouter des places supplémentaires pour des personnes non abonnées qui vous accompagnent sur un de vos spectacles en cliquant sur « Ajouter des places supplémentaires ». Le récapitulatif des formules choisies apparaît sur les onglets de gauche. Sur la droite, l'onglet pour les spectacles hors abonnement avec notamment nos spectacles exceptionnels mais aussi les spectacles à tarif unique. Une fois le bon nombre de spectacles choisis, en fonction de votre formule, vos abonnements passent au vert et le bouton « Je valide mes choix de manifestation » apparaîtra. Dernière étape avant de valider vos abonnements. Les abonnements sont nominatifs, une formule correspond donc à un abonné. Si vous vous êtes déjà abonné à plusieurs l'année dernière, vous retrouverez le nom de vos co-abonnés dans le menu déroulant. Cliquez ici pour choisir un nom d'abonné. S'il n'y a que votre nom qui apparaît et que vous n'avez pas de co-abonné rattaché, dans ce cas, cliquez sur le bouton gris « Ajouter un co-abonné ». Une fenêtre s'ouvre alors et vous propose d'ajouter un nouvel abonné qui vous sera rattaché. En dessous, vous pouvez consulter et gérer la liste de vos co-abonnés que vous avez déjà. Une fois votre co-abonné enregistré, fermez la fenêtre et allez lui attribuer la formule qui lui correspond.
Sur cette interface également, vous pouvez vérifier les spectacles que vous avez sélectionnés pour chaque formule et les prix associés dans l'onglet bleu « Voir le détail ». Les abonnements sont envoyés par courrier automatiquement. C'est ce que vous indique l'onglet « Mode d'obtention ». Si vous êtes plusieurs, ils seront envoyés à l'adresse de l'abonné principal et après la réception de justificatifs s'il y a eu des réductions. Un frais de gestion de 2 euros est appliqué pour tout abonnement, qu'il soit fait sur Internet ou sur place. Pour passer au paiement, vous devez cocher nos conditions générales de vente que vous pouvez consulter également sur notre site Internet. Puis, payez vos abonnements. Un dernier récapitulatif vous est proposé et vous indique le nombre de places pris par spectacle. Si vous constatez une erreur, vous pouvez encore revenir en arrière. Juste en dessous, choisissez votre mode de paiement en sélectionnant le bouton « Payer par carte bancaire » puis « Payer le solde ». Si vous avez un acompte chez nous, c'est également sur cette page que l'option vous est proposée. Pour utiliser tout ou une partie de cet acompte, cliquez dessus et choisissez la somme exacte avec le curseur. Par défaut, c'est le montant total de votre acompte qui vous est indiqué. Vous arrivez ensuite sur l'interface de vente de notre prestataire Paybox. L'ensemble des phases de paiement est totalement crypté et protégé, la transaction est donc sécurisée. Il est possible que votre banque vous demande un code pour valider le paiement. Pensez à avoir votre téléphone près de vous pendant la prise d'abonnement. Confirmation de commande. Après quelques minutes, après la validation de vos abonnements, un mail de confirmation vous est envoyé et à l'abonné principal si vous êtes plusieurs. N'hésitez pas à consulter vos courriers indésirables. Si vous ne le recevez pas, appelez rapidement l'accueil. Vous retrouverez plusieurs informations, un récapitulatif des spectacles avec les dates et une indication sur le placement, donc placement libre pour toute la saison 2021, votre numéro de commande et le total que vous avez réglé en ligne, les modalités d'obtention des billets, donc si vous avez des réductions, nous envoyez les justificatifs par mail pour les recevoir par courrier, ou sinon les places sont conservées au théâtre, à récupérer à tout moment à nos horaires d'ouverture ou le soir de votre premier spectacle. Et voilà, vous êtes abonné au théâtre La Piscine. Si vous avez fait une erreur de date ou de spectacle, ou si vous n'êtes finalement plus disponible, pas de souci. Nous proposons des échanges gratuits tout au long de l'année et ce jusqu'au soir même. Si vous avez raté le coche, nous vous proposons une deuxième chance en choisissant un autre spectacle de la saison pour 5 euros. Si vous êtes tenté par un autre spectacle en cours de saison, vous bénéficiez toujours de votre tarif d'abonnement tout au long de l'année. Pour cela, dirigez-vous vers notre billetterie de place à l'unité et identifiez-vous. C'est en vous connectant que vous serez identifié comme abonné et que les tarifs d'abonnement vous seront proposés. Nous espérons que cette notice vous aura aidé dans votre prise d'abonnement. Pour plus d'informations, contactez-nous ou passez-nous voir à l'accueil, nous vous renseignerons avec plaisir. Merci de votre confiance et à très bientôt au théâtre.